Dans cette vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 modé, nous allons tester un Gogeta SSJ4 Xeno. Il est totalement gratuit, mais vous allez voir qu'il est tout aussi stylé et puissant qu'un mode payant. Si vous finissez par kiffer la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit like et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on est parti pour le test de ce Gogeta Xeno SSJ4. Déjà, rien que la posture, tu sens qu'il y a un truc. Hein. On avait déjà testé ce mode en live il y a très longtemps. Waouh, l'entrée en scène, je suis choqué. Je suis choqué. Oh là 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 là, mais ce flow. L'aura est assez légère, mais du coup, il brille. Je sais pas si c'est parce que c'est mon modpack d'aura qui fait ça. Mais honnêtement, eh, en vrai, il a un flow de fou avec l'aura custom. Hein. Ah ouais, non, vraiment. Oh, il marche. Tu es foutu, Dabra. C'est terminé. C'est n'importe quoi. La chope pour voir vite fait. La chope est classique, ok. Le mode est gratuit. Wouah, là, qui quoi de fou. Voilà qui quoi de zinzin. Le mode est gratuit, hein, c'est ça qui est fou. Donc, faut se mettre dans l'esprit, c'est un mode gratuit. Et qu'est-ce qu'un mode gratuit peut faire? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je comprends pas, faut que je reste appuyé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors ça marche juste pas, mais... Parce que le mode est assez vieux. Oh, très bizarre. Oui. C'était quoi ça? J'ai juste appuyé sur carré. Ah ouais, non, ok. Ok, ça va être n'importe quoi. Ce mode va être absolument n'importe quoi. Par contre, je comprends pas comment ça marche, ça. Eh bien, commençons par le moveset. Du coup, on a vu le modèle. Il est... Waouh, mais même en l'air, il a une autre peau. Oh, ce perso est juste trop stylé. Ah ouais, non, mais vraiment, niveau animation, il est bien. Il reprend la position pour mettre le châtiment spirituel qu'il a tout le temps en boule. Il brille et tout. Non, il a un flow. Hein. Le perso a un flow de fou furieux. Et du coup, bah, commençons. Hein, combo carré. Alors, on se TP. On s'est TP très longtemps. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce combo? Ça n'a aucun sens. Ah oui, bah d'accord. Ok, je vois. Ah non, mais il marche pas. A few moments later. Ok, alors j'ai réinstallé le mode. Il était complètement cassé. Je l'ai réinstallé. Il est exactement pareil. Sauf que cette fois-ci, ça marche vraiment. Il fait des châtiments spirituels en mode pistolet. Hein, j'ai l'impression, après, il les envoie. Donc là, il l'a dans sa main. Ah ouais. Incroyable. Incroyable, il est trop stylé. Et là, incroyable. Comment il envoie le châtiment spirituel, c'est une dinguerie. J'adore. Là, ça marche bien. Nickel. La shop, du coup, est-ce qu'elle est différente? Non, la shop est vraiment, c'est vraiment la même. Hein. Ça, c'était pas bugué. Et du coup, le combo. Oh, ok. Ah oui, d'accord. Non, mais rien à voir. Comparé à tout à l'heure, et au moins cette fois, à la fin. Voilà, il va vraiment le faire. Boum! Je sais pas les dégâts que ça fait, mais c'est stylé. Ok, là on a les vrais combos. Parfait. Ah ouais, non, mais il rigole pas le mode. Hein. Il rigole pas. C'est une manifestation divine en plein combo. Bah oui, non, mais bien sûr. C'est gratuit, hein, je le rappelle. C'est totalement gratuit. Je vous mettrai le lien en description. Ah ouais, non, pour du mode gratuit. Il stamina break? Ah, il a l'air d'être bien stamina break pendant un petit moment quand même. Hein. Ok. Boum. Ah ouais, non mais quoi? Mais en plus en rouge comme ça, c'est trop stylé hein. Bon, y'a pas le son des effets. En soi, c'est pas bien grave, hein, honnêtement. Il est mort, ok, bon bah, le perso a l'air bien broken. Le perso a l'air fumé. Oui, Dabra est devenu Trunks parce que j'avais flemme de chercher Dabra dans le rooster. Donc vous m'excuserez. Alors par contre, pour faire l'autre combo avec 5 carrés puis après triangle. Voilà, on va dire que c'est là. C'était pas là. Il va être trop dur à trouver l'autre combo là. Il va être trop dur à trouver. Quand est-ce que je vais pouvoir le caler? Ok. Tac, 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 tac. Peut-être là? Oui, là. Ok, c'est bon. Ok. Boum. Ensuite. Oh là là, il châtiment spirituel instant. Ça touche? Oh, ça touche. Non, c'est une folie. Il est trop stylé. Le perso est trop stylé. Et il a des combos? Ah ouais, non, mais il fait un châtiment divin en plein dans le combo. Non, il est trop beau. En plus, il fait le vrai châtiment spirituel. Trop stylé. Non, j'adore le perso. Je pense qu'on peut la spam, le châtiment spirituel. Hein. Boum, boum, boum. Ah ouais, tu peux totalement le spam. Bon, pas à l'infini, mais tu peux en donner pas mal. Niveau dégâts, ça fait quoi? Monte vite fait. Ah oui, excuse-nous. Ah oui, d'accord. Ok. Ah non, ça a l'air bien fort. Au niveau de l'aura, ça n'a aucun sens. Et n'importe quoi, le perso. Ah ouais, non, j'adore. J'adore le perso. Trop stylé, et en plus de ça, on a des techniques custom. On a le x10 Garrick Gun. C'est un canon Garrick classique, mais il est rouge du coup. Instant Kamehameha x10.
Ok, non, ça par contre c'est tellement possible de le caler en combo. Alors je fais ça. Hop, TP. Ouais non, ça a l'air quand même compliqué. Hein. Ça a l'air quand même compliqué, on va pas se mentir. Boum. Ah oui, je stamina break aussi au passage. Powerful charge. Oh, stylé la charge. Oh, j'aime bien, elle est stylée. Il se met en garde du disparu en fait. C'est la posture du garde du disparu sauf qu'il s'en sert pour la charge. Incroyable. Et la dernière technique, un Big Bang Kamehameha. C'est vraiment un Big Bang Kamehameha. C'est pas Big Bang Kamehameha. Il est mort. Frérot, les dégâts que tu prends, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les dégâts qu'il prend. On a une transfo. On n'a pas de transfo. On a l'évasion Stardust Impact. Ah oui, c'est cette évasion là qui percute le sol et ça. Ça stamina break. Pas mal, pas mal, pas mal. Regardez, il se fait stamina break normalement là. Boum, voilà, stamina break. Ah, il va être fort le perso. Il va être fort. Niveau dégâts, ça a pas l'air abusé. Mais rien que le stamina break en lui-même. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et les ultis, vite fait. Ok. On a un Final Shine Attack. Si je reste appuyé, du coup, ça reste. Pas tant que ça, ok. Et l'autre technique. TP. Oh, ok, c'est attaque de Zarbon retravaillé. Du coup, normalement, si je fais ça. Oh ouais, non, c'est trop stylé, j'adore. Cette attaque-là est trop classe. Elle est vanille, hein, c'est un ricolore, mais ça passe tellement bien sur Gogeta. Ici. Blé. Incroyable, non, c'est trop classe. Pour un mode gratuit, honnêtement, ça passe plutôt pas mal. C'est vraiment, ça passe très, 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 très bien, même. Hein. Les combos sont insane. Ah ouais, non. Ça passe vraiment bien. Tu peux enchaîner, en plus, hein. Le moveset est custom, mais tu peux bien enchaîner, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah oui, c'est la suite du combo. Ah oui. C'est vrai que le combo, il s'arrête pas là. Je croyais qu'il s'arrêtait sur les projectiles, mais non, il fait une manifestation divine juste après. Pas mal. Honnêtement, j'ai hâte d'aller le tester en combat. Il a l'air fort. Pas non plus cheaté. Enfin, il fait des stamina break tranquille, mais... est-ce que ça suffira, genre, contre des Zeno, contre des Moro, des trucs comme ça? Bah écoutez, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais on va tester les combats. Maintenant. Allez, on commence tranquille comme d'habitude avec le fameux Gohan Beast. Un très très gros perso vanilla, donc au moins on pourra voir ce que ça donne. Sur des persos basiques, est-ce que c'est beaucoup plus fort que le jeu de base? C'est ce qu'on va voir maintenant. Let's go. Allez. Alors déjà, est-ce qu'en un combo je le tue? C'est... Ah, déjà il peut TP. C'est bon à savoir. Ça a l'air pas mal. Ah oui, non mais d'accord, mais Gohan Beast, calme-toi, c'est pas toi qu'on doit tester. Oh la vache, il a pas l'air content. Ok, ça il peut pas l'esquiver, j'ai l'impression. Par contre, ça oui, il peut l'esquiver après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le combo triangle qui sera peut-être plus simple à caler. Ça stamina break ça! Bah, il est mort. Ok, non mais bon bah ouais, non, il est fort. Il est fort, il a quasi one combo au Gohan Beast. Ça me paraît pas mal. Approuvé. Ok, contre un Broly, on va dire, mode PVP friendly, est-ce que... Ah, il le TP'ra peu importe ce qui se passe, j'ai l'impression. Ça, dans tous les cas, il va le TP. Voilà, retourner. Ok, je sais pas ce qui lui arrive, mais vas-y, on y va. Ok. Ça tue, ça, ou pas? Je pense pas que ça tue. Oh, les dégâts, par contre, non, mais c'est une folie comment on fait mal, hein. Ça l'a tué, mais les dégâts du châtiment! Bon, on y va avec un plus gros mode, avec le Goku rosé ultra qui peut se régène, qui a vraiment des très grosses attaques, qui fait bien bien mal. Sinon, vraiment, la vidéo va durer 5 secondes et demie. Hein. Après, il va falloir des gros persos avec beaucoup de vie, parce que sinon, vraiment, on prend que dalle. Oh, la carte, c'est la garde du disparu, trop aussi. Oh, par contre, elle a l'air longue à défaire. Il a réussi à me stamina break en 2 secondes. C'est quoi mon limit burst? Oh, de la super armure! Bon, bah. Excuse-nous, hein. Ah oui, mais t'as pas beaucoup de vie en plus, mon ref. Oh. Ok. Ah, c'est relou qu'il puisse TP ça. Ok, là, il est foutu. Là, c'est terminé. Le combo classique. Est-ce que ça tue, le combo classique? Là, on a juste à faire un combo, c'est terminé, quoi. Ok, ça fait mal. C'est pas abusé. Je peux totalement faire ça. Hop, salut. Ah, il l'a paré, salaud. Non, t'as déjà bugué? Non, il a pas bugué. Ok, c'est juste qu'il comprenait pas ce qui se passait. Oui. Ah, je peux pas évader avec l'évasion? Ah ouais, c'est abusé. Ouah, il y a une météorite qui a explosé. Trop de puissance! Olé! Ok. Bah, il est mort, je pense. Hein. Ouah, le stamina break encore! Ouah, le double stamina break dans le combo, c'est abusé. Hein. Allez, à plus! Mec, il a un ulti à chaque combo. Vous voulez qu'il fasse quoi en face? C'est juste pas possible de win contre lui. J'aimerais bien l'affronter, on le testera après à affronter. Je pense qu'il peut être tendu en vrai. Oh, l'entrée en scène en plus à chaque fois, elle me fume.
Elle est trop trop bien. Ok, ok, il est agressif, on va voir. Non, je voulais le faire aussi, j'ai trop le seum. Ouais, je suis parti super loin. Ok, ok, ça le stamina break. Du coup, j'ai juste à charger après en vrai. Ah ouais, non mais en fait, je peux pas m'arrêter. Tant qu'il, dès qu'il a fait les... Il est pas mort quand même. Ouais, quasi, c'est tout comme. Hein. La charge est rapide ou pas? Ça a l'air d'être une charge maximum. Ouah, salaud, il m'a envoyé un rayon. Godlike Big Bang quand même, ça passe pas. Si je fais ça... Ah oui, j'ai une armure en plus quand tu es là-dedans. Big Bang, ah le Big Bang, j'ai l'impression qu'il touche pas comme un vrai Big Bang vu qu'on est en cinématique. Ah, dommage. Ok, j'y vais. Boum. C'est terminé. Bardock, t'es où Bardock? Il va récupérer avant même que j'arrive. Salut. Ah, c'est stylé, il a évasion. Il a évasion, non, c'est stylé de zinzin. J'adore. Instant de Kamamea. Ok, c'est facile à esquiver. Au moins, on voit ce qui est facile à esquiver et ce qui ne l'est pas. Salut. Même le début du combo est surcheaté. Parce que vu qu'on est dans une sorte de marteau du châtiment, là, où il peut pas nous toucher, même s'il évasion, le combo continue. Il prend des dégâts de fou. Si j'arrive à le retoucher derrière, ça fait des dégâts et ça stamina break. Il peut rien faire. Il peut juste rien faire. Ok, on affronte Zeno. On va voir si on arrive à se le faire. Il a énormément de PV, mais très peu de def. Étonnamment. C'est genre sa vie pas... Wouah, mais c'est quoi ça? Attendez, on a encore découvert un truc. Non, 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 non. Mais on vient de commencer. Bon bah, Zeno a fait ce qu'il y avait de mieux à faire en vrai. Hein. Voilà, on le fait chier, bah... Voilà. Akai. On y retourne. Zeno. Alors j'ai fait un truc tout à l'heure. C'était mon dash là. Et ça fait un dragon. Mais c'est trop stylé. Allez, petit stamina break. Dommage. Ok, chop. Et si je fais l'autre, y'a rien qui change, ça. Non, ça, y'a rien qui change. Tiens, d'ailleurs, j'ai les moves de Gogeta. Ok, je viens de remarquer. Zeno a bugué. C'est génial, on adore. Et là, ça touche. Il peut tellement rien faire. Il est tout petit, par contre, c'est chiant. Hop, hop, hop. Re-stamina break. Il se fait stamina break H24. Le châtiment. Non mais regardez-moi ces dégâts. Il était dans le bleu. Il était dans le bleu. Il peut juste rien faire. Oh, il a bugué. Un partout. Voilà. On peut s'arrêter. Zeno m'a détruit. J'ai détruit Zeno. On peut s'arrêter là. On va affronter Moro. Peut-être après True Divinity. Même si True Divinity, je ne pense clairement pas qu'on peut le vaincre. Il a une armure et tout, c'est pas possible. Moro, par contre, il y a largement possibilité. Allez, Gogeta, tu peux le faire. Contre Moro, vas-y, fonce. Olé. Ouah, l'abus. Ok, sa garde a l'air vraiment relou à faire. Ok, bah alors là, si tu TP pas... Olé. Olé. Ah, ça c'est dommage. Je sais pas s'il peut stamina break. Oh, je l'ai touché à la fin. Oh les dégâts, pardon. Et non, je suis plus là. Salut. Ouais, il a juste apparu et c'est terminé. Il s'en fiche un peu honnêtement. Est-ce qu'il peut me toucher pendant que je charge? Ça se termine un break si je charge et qu'il me touche. Ah oui, non mais pardon. Excusez-moi. Ok, full power. Oh la vache, non mais pardon. Je viens de voir le Final Shine attaque là, x10, les dégâts qu'il fait. Ça peut être sympa. Ah, il est relou. La chope est relou. Au pire, j'ai juste à faire ça, hein. Voilà. C'est bon. Ok, là, on combo. Boum. Ok, et la Final Shine. Dépêche-toi. Ok, ça fait mal. C'est pas abusé, honnêtement. Ah, dommage. Limit Burst. Ouais, même ça, c'est fort, parce que du coup, bah là, j'ai juste à... Là, il TP. Et je m'en fiche, en fait. Oh là 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 là. Mais j'ai pas besoin de faire de technique. Les combos servent à eux-mêmes. C'est trop fort. Le Garrick Gun x10. Les spés font pas énormément de dégâts. Hein. C'est pas ça, mais... Ah non. Pff, c'est... Ouais, il est très 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 fort. En termes de perso gratuit,
En fait, il est bien réalisé et cheaté, donc t'as vraiment la sensation d'avoir un perso vraiment très très fort. T'as vraiment l'impression de jouer Gogeta SSJ4. C'est... Non, il est bien fait, les animations sont cool. Vraiment, pour un mode gratuit, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça vaut clairement le coup. Bon, c'est le moment où je meurs ? Ok, Zamasu. Zamasu. Ok, il bouge pas pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Je tente un truc, je tente un truc. Ah ! Non, non, non. Vite, vite, vite ! Vas-y, vas-y, fonce. Ok ? Ça marche pas ! Oh, merde. Ah, je peux pas le toucher. Hein. Vas-y, détruis-le ! Aïe, 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 aïe. Ah, je tank bien. Ah, ouais, l'abus. Ah, l'abus, non. J'étais en train de marcher, en plus, j'ai pas pu m'enfuir. Ok, bon, bah, évidemment, True Divinity. On n'a pas d'attaque qui one-shot, donc forcément, c'est mort. Allez, pour finir cette vidéo, on va tenter de vaincre Gogeta Xeno SSJ4 avec des personnages. On commence par du Vanilla, si on n'y arrive pas, on ira vers du Modé. J'ai pas pris non plus le perso Vanilla le plus gentil au monde. Donc, on va voir. Ah ouais, non, mais c'est fort. Donc là, je peux TP. Non, mais frérot! Ah ouais, non, mais s'il fait que ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est trop chiant! Ok. Ah oui, d'accord, je comprends. Je comprends le principe, du coup, de tout à l'heure, pourquoi je me suis fait stamina break aussi vite, parce que sa garde, il la garde 100 ans. Ok, bon, bah... Adios! Oh, les dégâts. Les dégâts du hit. Par contre, là, il va revenir à la charge. Boum! Et ouais, mon gars, ça joue hit ici. Ça joue... Oh là. Bon, il est pas malin. Hein. Il est pas malin. C'est terminé. On l'a détruit. Bon, si c'est le mode qu'il joue, apparemment, c'est plus compliqué. Il s'est fait détruire. Je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement, ce Gogeta SSJ4, très, 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 très cool à jouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.